Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Siberia 3 avec notre petit manuscrit Yokol traduit. Et what, Zikino, what quoi? What, what mill, what, what quelque chose, je ne sais pas, tu me diras. Et on va commencer à lire ça ensemble. Alors, à toi celui qui aura compris les nouvelles transhumances des autruches sacrées. Ok. Comme te l'aura raconté la gardienne des lieux, le sacrilège représente l'immondice de béton qui s'élève en lui et place de notre temple nous a obligés à camoufler le sanctuaire. J'ai donc dessiné à ton attention cette carte, où les symboles sont des mots et les directions des énigmes. Merci, ça m'aide. Une carte que seul un Yokol de cœur pourra interpréter, qui mène à la porte de nos sanctuaires ainsi qu'à ses clés, à condition de suivre la lune rouge et de posséder la hauteur de vue nécessaire. Alors, rendre avec toi un hommage à nos vaillants frères et sœurs qui ont quitté la tribu pour sauver notre temple. Je ne reviendrai pas sur certains instants de bonheur quand la rencontre avec la mère de ma fille. Sache que nos existences d'esclaves consentants furent une longue suite de malheurs. Ouais, j'en doutais pas trop. Il s'est quand même passé masse de trucs dans les derniers épisodes pour en arriver là. Ah oui, alors t'as raté toute la partie où on est sorti du métro, on a commencé à camper et il s'est avéré qu'il y avait la lune rouge qui était là et qu'il fallait qu'on trouve un temple qui a été apparemment recouvert de béton à la construction du stade, mais des Yokol infiltrés ont réussi à le sauver, à faire en sorte qu'il soit recouvert proprement et qu'on puisse éventuellement le retrouver. Et donc on a trouvé la fille du dit Yokol, enfin du chef des esprits de l'époque, qui a visiblement écrit un bouquin pour pouvoir nous retrouver. Alors, le sacrifice qui a construit notre départ de la caravane, nous connûmes la douleur, celle de s'épuiser chaque jour à bâtir cette injure à nos traditions pour me cacher notre temple sacré la nuit. Ils sont tous décédés, ça, malheureusement, on s'en doutait un peu. Je sens d'ailleurs mon heure arriver, ne laissant comme héritage à ma petite Dunyasha que le plus grand sacrifice qui soit, porter notre deuil à tous, seul pour le reste de son existence, à attendre nos successeurs. Bah, le reste de son existence, 20 ans quoi, ça va. Alors, on sait qu'on a trouvé une chaise avec un truc, un puzzle dessus. Donc ça c'est peut-être un indice. Kate va devoir marcher à quatre pattes. Bah peut-être pas, peut-être que la hauteur de vue c'est justement il faut être grand pour le voir, par rapport aux Yokol qui sont petits. Mais ce serait plutôt l'inverse, on est d'accord à mon avis. Alors... Ce sombre destin auquel j'ai condamné ma fille m'évoque une légende méconnue de notre peuple qui se transmet de guide en guide. Celle du sanguinaire Boutor, le fou qui voulut conquérir les steppes. Comment c'est en anglais? Boutor, ok, d'accord. Je pense que ça me fait penser à Butor. Ah oui, t'as raté la magnifique scène en slow motion de Oscar sur le camion de pompiers qui arrose les chiens en mécanique. C'est vrai que c'était classe. Botor était un chef de notre tribu, aussi craint que secrètement détesté. Il avait annexé des villages, ok, fait des tribus. Il avait fait une armée de cavaliers mammouths, ok, pourquoi pas. Alors, il a voulu étendre son pouvoir non plus au seul Yokol, mais à l'ensemble des peuples des steppes. Shaman inféodé lui assure que l'exploit était possible à condition de triompher de quatre esprits majeurs pour les soumettre à sa volonté. L'esprit de la douleur, du deuil, de la mort et du sacrifice. Ok... Ah, ok, on va rentrer dans le vif du sujet. En assimilant l'essence de ses esprits, lui assurera les chamans, il deviendra le maître de la guerre, celui à qui la victoire ne pourra jamais plus se refuser. Boutor se mit aussitôt en chasse, pourchassant les quatre esprits jusqu'aux frontières de notre monde. Alors, le deuil, la mort, le sacrifice et la douleur. Ça va être la violence, je sens, cette énigme. L'esprit de la folie, ok. Donc ça c'est le plongeoir de la piscine qu'on a vu, et on a vu qu'en bas dans la piscine il y avait potentiellement des choses. Boutor triompha des esprits un par un et les assimila, mais la fusion et l'alignement parfait de tous ces esprits était un leurre, car le rassemblement du deuil, de la douleur, du sacrifice et de la mort permit l'émergence d'un autre esprit, la folie. D'accord, donc on met les quatre et après on peut mettre la folie. Qui se laissa assimiler avec gourmandise par l'imprudent conquérant. Parfait. C'est ainsi que les serfs de Boutor ne virent revenir de sa chasse son esprit qu'un vieillard précoce, gauche et balbutiant, débarrassé de toute velléité guerrière. Les chamans du conseil à l'origine de cette ruse reprirent le pouvoir, les différents villages inféodés retrouvèrent leur indépendance, revenant à la pacifique coopération qui avait prévalu jusqu'alors.
Et ils ont foutu butor aux écuries de ces anciens troupeaux de mammouths de guerre. Bah, bon churros, Zikino. Fais-toi plaisir. En te transmettant cette histoire, je partage avec toi ma plus grande peur, celle qui me taraude depuis que nous avons commencé à cacher le temple. Et si, en exposant mon unique offrande à toutes les souffrances que nous avons consenties pour cacher le temple, je l'avais condamné à connaître la même fin que Butor. Une peur qui n'a fait que se renforcer depuis que les nôtres s'effondrent les uns après les autres, et qui n'a eu de cesse de me hanter lorsque j'ai caché les clés permettant d'ouvrir notre temple. Nous voilà au terme de ce sinistre fardeau que je te lègue à notre successeur. N'oublie pas d'aller rendre hommage à l'autel que nous avons érigé en l'honneur de ceux qui sont tombés pour présenter notre temple sacré. D'accord, donc là, il y a peut-être un truc à faire dans la salle où on avait vu les trophées. Si d'aventure tu étais un imposteur cherchant à violer ce sanctuaire, eh bien abandonne, pauvre fou, ton esprit est trop étroit pour espérer trouver ce que tu cherches. Après tout, nous avons dissimulé des années durant l'une de nos clés au milieu des idoles de votre vanité, sans jamais que vous ne vous en rendiez compte. Très bien. Ah, tu passais au marché de Noël, t'as acheté quelques petites sucreries. Très bon plan. Alors, la première étape du coup, ça va être de retourner voir si on n'a pas raté un truc du côté de l'hôtel. L'hôtel AUT, bien sûr. C'était par là. Hop. La petite course dans les couloirs. Hop là. Et on y retourne. Voyons voir. Alors du coup, ça, on pouvait déjà l'examiner. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Là, on l'avait pas tout à l'heure, ça. Donc maintenant, on a découvert un bouton ou un truc du style. Mais comment on fait pour le prendre? Ah, Si ok. j'arrivais à casser cette vitrine, il me faut juste de quoi me protéger les mains. Mais on a une écharpe, justement. Notre vieille écharpe. Qui va servir. Sinon, on aurait pu demander à Oscar, hein. Ils sont branlés de passer des vitres, lui, hein. Quelle femme! Ah bah oui. Ça va, plus de peur que de mal. On se souviendra que Kate est une grosse brute quand elle s'énerve. Oh non, elle a acheté sa vieille écharpe. Non, mais ramasse ton écharpe. Non, tu veux pas la ramasser. Bah du coup, prends au moins ça. L'anti-U-Call 03. D'accord. 03. Il y en avait visiblement une sur l'hôtel. L'autre hôtel, celui qui était dans le cimetière. Et peut-être du coup une sous la chaise là. On va retourner à la chaise, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a 6. Non, on a que 5 indices. Alors, c'est parti. Donc. On a dit le deuil, la mort, le sacrifice et la douleur. On va refaire un screen, hein. Parce que voilà, ça m'évitera d'ouvrir 25 fois le journal. Hop là. Alors, commençons par ça. Donc du coup, pas ça. Pas ça. Ça commence bien, donc il n'y a pas celui-là. Alors ça, c'est le sacrifice. Ensuite.
Non. Non. Ça, c'est la douleur. Ça, c'est la mort. Alors, là, on a le deuil, mais il nous manque un, il nous manque, enfin, celui du milieu là. Enfin, peut-être que le deuil est quelque part ailleurs. On dirait pas. Ok, reprenons notre écran, notre souris, s'il te plaît, jeu. Voilà. Ouais, il y a le dernier signe, je voulais aller voir justement si ça nous redonnait un indice quelconque. Mais de toute façon, il nous en manque un, dans tous les cas. Parce que là, on en a quatre. Et après, il y a celui-là qui est censé venir des quatre premiers. On va rajouter dans la liste des screenshots, on n'est plus à ça près. Mais il nous en manque un. Parce qu'il y a six trucs. Bon après, si on arrive à faire les cinq premiers, on pourra tester. On pourra tester. Le dernier signe, exactement. Mais là déjà, ça m'embête parce que sur celui-là, il n'y en a aucun. À moins qu'il y ait la folie. La folie, c'est pas celui-là. Ah si, celui-là il y était. Celui-là, il y avait la mort. C'est celui-là où il n'y en avait pas. Bah, si on jamais on trouve un signe qui veut dire noir, on y pensera. Ah mais là, il y a celui-là. Ouais, c'est le même. Donc ça veut dire que celui-là, il y en a peut-être un autre que j'ai raté. Alors, je vais vous remettre vite fait un bout de capture de fenêtre. Non, capture d'écran. Supprimer ça. Hop. Capture d'écran. Alors du coup, ah ouais mais non mais du coup ça capture tout l'écran. C'est un peu moche, non, c'est nul. Ouais, parce que du coup je peux pas mettre tout sur une seule fenêtre. Bon, c'est pas très grave, ça c'est juste temporaire de toute façon. On va essayer de chercher celui qui manque. Ça c'est bizarre parce que c'est ça c'est le deuil mais à l'envers en fait. On va partir du principe que c'est quand même bon. Et là du coup on est capable d'avoir les quatre premiers. Donc après il faudrait qu'ici on mette la folie. Non. La folie c'est ça, mais pas dans ce sens-là. Et donc le dernier. Ok, échec. Visiblement échec. Alors est-ce qu'il faut qu'on arrive à les mettre tous dans le bon sens? Ça c'est rien. Ça c'est le sacrifice, mais on a dit qu'il était sans doute pas là. Ça c'est la mort. Ça c'est la mort, mais pas dans le bon sens. Alors peut-être qu'il faut qu'on les mette couchés du coup.
Ça, c'est le sacrifice. Non, ça, c'est la folie. Ça, c'est la douleur, mais dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est que cette énigme encore? Celui-là. Celui-là, c'est le deuil tourné. Tourner dans le même sens que la mort. Ok. Et ça, c'est la douleur tournée dans le même sens. Donc ici, on a la pomme de douche peut-être, qui serait censée être. Non, on n'a pas la... on n'a pas le... le sacrifice. Je vois pas le sacrifice. Il y a la folie dans ce sens-là, mais c'est pas logique qu'elle soit au milieu, a priori. C'est la même folie, hein, ici et là, donc... Le seul qu'on n'a pas... dans le mauvais sens. Si, là on a le sacrifice dans le mauvais sens. Alors est-ce que il faudra qu'on lise de gauche à droite, de droite à gauche. Ici, est-ce qu'on a un truc pertinent? On a le sac, non, le deuil, mais dans le mauvais, enfin dans le bon sens. Ça c'est rien ça, non c'est rien. Je me demandais si on en a deux avec les lignes, s'il y avait un truc avec les lignes, mais j'ai pas l'impression. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein. Je prends. Donc ça c'est la douleur, pas dans le bon sens. Je me complique trop, commence par le plus simple et évident. Bah il me semblait que j'avais commencé comme ça pourtant. Parce que le plus simple et évident, c'était de mettre ceux où il y avait des lignes. Mais ça n'a rien fait. Alors, si on prend ceux qui avaient des lignes, ça c'est le deuil à l'envers. Ça c'est rien du tout. Ça c'est rien du tout. Ça c'est rien du tout. Ça c'est encore le deuil, mais dans l'autre sens. Et ça, c'est le sacrifice à l'envers. J'ai pas été au bout. Ah, j'ai pas été au bout. Tu entres. Alors, du coup, on va refaire. Donc là, on a dit que de toute façon, ça pouvait pas être le sacrifice. Le sacrifice, il était là. Voilà, là. Ça, c'est la mort. Ça c'est la douleur. Après ça m'embête de pas les mettre dans le bon sens. Je pense que je vais essayer de les mettre dans le bon sens. Donc on va mettre deuil, mort, sacrifice. Ça devrait être sacrifice ici. On a un sacrifice? Ça non. Ça c'est la mort dans le bon sens. Ça c'est le deuil de pas dans le bon sens. Ça c'est la douleur. Ça c'est le sacrifice. Et donc là du coup il faudrait qu'on mette la folie, mais je crois qu'il n'y avait pas la folie. Ça non. Si, ça c'est la folie. Ça c'est la folie pas dans le bon sens. Alors du coup, je vois pas ce que je peux mettre à la fin. Je vais relire le truc, j'ai peut-être raté quelque chose. Relou, le curseur qui disparaît là. Hop, hop. Donc les quatre esprits, l'esprit du deuil, la mort, le sacrifice et la douleur, ok. Qui
qui donne du coup la folie. L'alignement parfait de tous ses esprits. Ah, il n'y a pas d'ordre dans ton souvenir. Ah, donc il faudrait juste que je les mette, peu importe, bien alignés, quoi. On peut essayer. Il faudrait qu'ils soient bien alignés. Donc du coup, là, ce serait ça, du coup. Le sacrifice. Non. Non. Oui. Et là, on l'a pas le dernier, c'est le problème en fait. Le seul endroit où il est dans le bon sens, c'est là. Et là, par contre, on pourrait mettre. Je crois. Non. Il me semblait qu'ici, il y avait la folie dans le bon sens. Non. Visiblement, non. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, mais de toute façon, toujours le problème qu'on en a 6 à mettre et qu'on en a que 5 disponibles. Alors attendez, je vais effacer les petits points qu'on voit mieux. Ça me perturbe qu'il y en ait un avec une ligne là. Il y a certainement un truc avec cette ligne, hein, c'est pas possible. Mais ça correspond à rien les lignes. Ça correspond à rien ça. Façon, j'ai déjà essayé de tous les mettre les lignes donc. C'est que c'est pas ça, fatalement. Ça c'est la folie, pas dans le bon sens, mais on s'en fout, on veut quelque chose dans le bon sens. J'ai l'impression que le point qui nous bloque c'est le deuil. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas le deuil quelque part. Ailleurs dans le bon sens. Non. Là où il met pas dans le bon sens. Ah, voilà, c'est fermé. Bah, il me manque un symbole techniquement. Parce qu'il en faudrait 6. Et j'en ai que 5. Mais après, il n'y a pas que ça. Parce que j'ai essayé de mettre les 5 et de bouger le dernier truc comme ça au pif. Et ça fonctionne pas non plus. Donc. Si j'essaie de tous les mettre dans le bon ordre, ça marche pas. Je vais vérifier, mais là le seul qu'on a sur cette case qui est dans le bon sens, c'est celui-là, la pomme de douche là, le sacrifice. Ici, bah ici on a la douleur qui est dans le bon sens. Je vais quand même vous essayer de vous le montrer les deux trucs que j'ai parce que c'est vrai que du coup c'est un peu pas très agréable. Alors j'en ai 2000 des captures d'écran du coup donc ça on ferme, ça on ferme, ça on ferme. Hop. Voilà, donc on a celui-là qui est
La madness. Et du coup l'autre, non pas ça. Bah pourquoi c'est deux fois la même? T'es sérieux OBS? Tu peux pas me capturer C'est Windows qui est complètement nul? Ok, c'est Windows qui est complètement nul. Les deux fenêtres, c'est deux trucs différents, mais ils mappent sur le même endroit. J'aime quand c'est intelligent comme ça. Aïe aïe aïe. Tac. Voilà. Et cette fois, ça devrait marcher. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a comme symbole. Il y a une roue en trop, mais en soi, il ne me manque rien. Ah bah écoute. S'il ne me manque rien, allons-y. Donc du coup, là, on a bien la pomme de douche. On a bien la douleur. Ça, c'est la mort. Ça, c'est encore la douleur. Donc ici, il y a un moyen de mettre autre chose. Bah, on a encore le sacrifice éventuellement. On a le sacrifice ou la douleur sur celui-là. Alors ici, est-ce qu'on a autre chose? Non, pas vraiment. Bon, s'il y a une roue en trop, on va mettre deux fois le truc du coup. Et donc ce qui nous manquerait, c'est la madness qui serait comme ça. Ah ouais, la vache. D'accord. Ouais, bah c'est pour ça que je me faisais chier à essayer d'en faire une sixième alors qu'en fait il n'y avait pas besoin. Ok! Eh ben merci Brodyman parce que j'étais pas sorti du sable là, je crois. Alors je vais vous cacher ça. Voilà. Et on est reparti. Et du coup, on va retourner voir l'hôtel parce qu'il me semble qu'il y avait. Il y avait la troisième lentille, la troisième clé. La question c'est est-ce qu'on va pouvoir la prendre maintenant qu'on sait que c'est potentiellement une clé? Ou peut-être maintenant que il y a Kirk qui allait la voir et qu'elle va nous dire ah oui ça c'est une clé en fait lol. Déjà il y a une petite musique, j'aime ça quand il y a une petite musique. Par où on va? Par là-bas. C'est ça. Alors déjà on va essayer d'aller voir un peu s'ils sont tous les deux là. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas, Dunyasha Dubrovskaya-Tika? Oh, les noms. Ta place est auprès des tiens, au sein de la transhumance. J'en aurais été honoré, ô mon guide. Mais il faut bien que quelqu'un mette les futures caravanes sur la voie du temple et s'assure que ceux qui ont voulu le détruire ne parviennent jamais à leur fin. Or, j'ai promis sur le lit de mort de mon père que ce serait moi. Il y a peut-être un autre moyen? Je ne pense pas, ô mon guide. Et de toute façon, je ne me vois pas vivre loin des esprits de ma famille. J'avoue que j'aurais cru qu'on partirait avec elle. Si j'avais pensé un jour pouvoir parler à une descendante de la migration précédente. Merci. Ah. Merci de m'avoir permis de retrouver les miens. Une tenture Yukol. Ok. Une tenture Yukol. Rien que ça.
D'accord, donc a priori rien de fifou ici. Kate, descends. Et là, du coup... Ah. Maintenant, on peut la prendre. Ok, on a la 1, on a la 2, on a la 3. C'était bien la 2, l'autre qu'on a prise. 2... Hein. On va regarder un peu ce que ça dit. L'agencement des verres doit servir à intensifier la lumière reçue. L'agencement des verres doit servir à intensifier la lumière reçue. On va vérifier la troisième par acquis de conscience, mais c'est probablement la même chose. Ah non. L'agencement des verres doit servir à intensifier la lumière reçue. Bon. Et maintenant, on va essayer de retourner à la piscine. En essayant de pas trop se planter dans les murs. Donc là, du coup, c'est par ici. Voilà. La petite, le petit chemin qui descend. Toc, toc, toc. Ensuite à droite. On sort par ici. Allez, allons voir si on peut faire mumus dans la piscine avec nos lentilles. Et du coup, Brodyman, tu l'as refait récemment ou tu te souviens vraiment du jeu auquel t'as joué il y a 10 ans? Par curiosité. Tu me diras, je me souvenais à peu près du 1, hein, c'est-à-dire... Mais... Allez, Kate! Plus vite que ça! Ta mémoire n'est pas si bonne que ça. Oh. Ah, t'as refait le jeu du coup. Ah oui. Effectivement. Alors, est-ce qu'on mettrait pas les lentilles ici du coup, vu qu'on a trois trous? Sachant que. Sur la couverture du livre, il y a rouge, probablement bleu, vert. Donc rouge au milieu. Non, mais non, c'est pas là que je voulais le mettre. J'ai même pas cliqué, j'ai juste glissé. Non, reprends là. D'accord, je peux pas. Bon, c'est peut-être le bon endroit. Ça m'a pas l'air d'être parfaitement ajusté, mais bon. A voir si je mets la dernière et me dit. Ah non, c'est pas ça, lol. Ah si. Ou pas. Petit suspense. Wow. Oh putain. Ah non. Miss Cat Walker. Elle a réussi. Miroirs vont permettre d'ouvrir temple. J'ai l'impression, oui. Mais je vais avoir besoin d'aide pour les manipuler. Yukol vont aider. Miss Cat Walker les guider. Oh la vache. Oh, j'ai vu le truc, j'ai dit ah non, ah non. Alors, est-ce qu'il faut qu'on voit ici? On peut faire quoi? Comment ça se passe? Puzzle, ok. Waouh. Ne saute pas. Merci Brodyman pour le bon courage.
Ok, là pour... Ah si, là je peux tourner celui-là. D'accord, donc je peux tourner celui-là. Ok, très bien. Et là, par exemple... Oh la vache, je peux viser un peu ici. Non, il y a lui qui est devant. Mais il est très grand lui, donc ça sert à rien. Bordel, l'enfer quoi. Je peux l'envoyer. Ah, puis en plus, c'est tendu à niveau précision. Un peu plus par là. J'arrive pas. Je peux l'envoyer là. Bon, ok, admettons. Alors, réfléchissons. Déjà, on va regarder notre. Vous pouvez vérifier où nous en sommes, s'il vous plaît. Oula. Vert ici, bleu, bleu, bleu. En plus, il va falloir dupliquer. Deux verts, un rouge, quatre bleus. Là, on envoie sur celui-là. Ah, on envoie sur celui-là. Donc là, je pourrais genre envoyer. Là, on duplique en fait. Et si on le met comme ça. Ok, donc on arrive sur les bleus. Donc c'est pas le bon là. Déjà, on envoie pas le. Faudra qu'on envoie du bleu ici. Je dirais que je peux aller que par là. Le vert, il faut qu'il soit à hauteur là. Ok. Donc, et toi, je peux te bouger. D'accord, je peux pas l'envoyer là-bas. Si je l'envoie là, il revient là, ok. Et si je l'envoie ici, il revient là, ok. Et de l'autre côté. Ok, il y a l'air d'avoir des... Ok, bon, là visiblement ça fonctionne. Je peux pas l'envoyer n'importe où. Ça devrait nous aider un peu. Donc là déjà on le duplique bien. Là on l'envoie dans le mur. Ah non, là, ah putain mais je peux pas l'envoyer ailleurs en fait. Je pensais l'envoyer là mais ça marche pas. Ici. On en envoie un là, ok admettons. Et toi? Toi on t'envoie là. C'est bon pour celui-là, merci. Le bleu, ça va pas, ça suffit pas parce que du coup on en a deux, mais on en envoie, c'est pas assez deux. Alors on fait quoi là? Paf, on envoie là-dessus, qui envoie là-dessus, qui envoie là. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Faut dupliquer deux fois le bleu en fait. Mais je peux pas l'envoyer. Si, je peux l'envoyer là. Et là, ça le duplique deux fois d'une manière ou d'une autre. Quel enfer. Donc soit c'est bon, ça c'est bon. On a la main sur quoi? On a la main sur celui-là. On pourrait dupliquer encore en l'envoyant je ne sais où. Je peux le tourner ou pas? Je peux le tourner un peu dans la difficulté, mais... Je peux le tourner. Voilà. Toi, du coup. Ça doit être plus ou moins par là. Non, c'est où déjà? Si, c'est en dessous là. C'est ça, c'est en dessous. Donc. Viens là. Ça devrait être par là, là. Voilà. Cette toile d'araignée est pas très claire. Ouais, mais tout jeu du genre se doit d'avoir une énigme avec des miroirs. Il est même dans We Were Here. Le seul problème, c'est que surtout le gameplay pour tourner les trucs avec la souris. Là, parfait, merci. Est un petit peu tricky, on va dire.
Alors et toi, pour l'instant tu vas dans un mur, mais je vois qu'il y a un miroir libre à gauche qui m'a l'air très bien, à droite d'ailleurs. Et donc du coup là, si on le tourne... Allez, on y est presque. Non. Là, voilà. Parfait, merci. Ça c'est beau. Alors les loucoles, ils déconnent pas, hein. Vache. Ben c'est le GG, Kate. Walker a réussi. Elle nous rejoindre dans le temple. Je saute, bougez pas. J'arrive. Le plongeon. Le plongeon. Alors, la petite échelle, c'était par là. Ah ouais, hein, elle déconne pas la piscine. Hein. Imagine tu mets ton coffre-fort personnel dans ta piscine. Alors déjà t'as une piscine et en plus tu mets ton coffre-fort personnel dedans. Avec un truc de miroir comme ça, tu peux ouvrir ton coffre-fort personnel une fois par mois à la pleine lune. Là t'es bien. Et hop. Alors j'avoue, quand j'ai vu les miroirs sortir, je m'y attendais pas. Je me suis dit mais waouh. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Kate, qui êtes-vous? Ma pauvre Kate, tu ne reconnais plus ta vraie famille. Il faut rentrer à la maison maintenant. Tu dois écouter ta mère. Oui, il faut en convenir. Nous avons du mal à comprendre qu'une aussi brillante avocate en soit arrivée à se livrer à des activités parfaitement délictuelles. Nous avons saisi la justice, mademoiselle Walker. Vous pouvez être assurée que les choses n'en resteront pas là. Il faut que tu comprennes, Kate. Je n'allais pas t'attendre indéfiniment. Tu nous as beaucoup déçus, Kate. J'étais ta meilleure amie, ta confidente. Alors ici, tout le monde a fini par se faire une raison. Pour nous tous, tu es perdue. Disparue. Tu es morte, Kate. Morte. Kate Walker. Mec, t'as même pas attendu une semaine avant de la tromper, quoi. Oui, mais j'ai besoin d'air. Sortons, s'il vous plaît. Tu sauras, Kenton, qu'il ne faut jamais mettre ton passeport dans ce genre vous de coffre. Vous êtes sûr d'aller bien ? Sans vous offenser, vous sembliez à un moment avoir perdu le sens comme un Kate Walker. Des fantômes. Rien que des fantômes. Bon, je suis épuisée. Je vais essayer de dormir quelques heures avant l'aube. Je vous attendrai ici. Alors, bonne nuit, Kate Walker. Bonne nuit, Oscar. Alors est-ce qu'elle peut dormir quelques heures sans que ça parte en sucette? Ça c'est une grande question. Non, pas morte. Walker. Kate Walker. C'est ça, Kenton. Exactement.
Baïtra, vite, glouglou, Ulilanza. Qu'est-ce qui se passe encore? J'avoue. Elle était sur une autruche il y a deux secondes là. Ils ont détruit le pont, c'est ça? Non, on peut même pas dormir tranquillement dans sa caravane, ça y est, c'est le drame, la fin du monde. Les gens s'énervent. Veilleur aurait déjà dû parler. Veilleur aurait déjà dû parler, ok. Notre amie la chamane est là-haut. Elle se repose suite au rituel et je veille à ce qu'elle n'ait besoin de rien. Bon, avant d'aller la voir, on va aller voir si Kirk peut nous en dire plus. Oh, une vieille moto. Ah. C'est problématique. Je m'attendais à voir Kirk devant. Il est où? Je l'ai pas vu, il était pas sur un des trucs là. Non. N'arrive pas à croire. Après rivière, tribu sera en sécurité. Eh bah c'est pas tout de suite. On va aller voir un peu ce qui se passe. Ah, Miss Catwalker. Ayahuasca a encore besoin repos. Esprit l'ont rincé crevé. Ouais. Parle, hein. T'as picolé, c'est ça? Alors, elle, elle nous apprendra rien. Mais où est Kirk? Voilà. Shaman s'est réveillé. Se repose dans maison sur autruche. Alors, quand on s'approche par là, il y a la petite musique, donc c'est certainement par ici qu'il faut qu'on fasse des trucs. Peut-être dans cette maison là. Est-ce qu'on peut rentrer par ici? De retour bientôt. Ouais. Le panneau qui est là depuis 20 ans. De retour bientôt. Esprit bel homme métal l'ont rincé crevé. Oh Zino. Voyons. Quelles idées tu te fais? Alors, est-ce qu'on peut passer par derrière? Où est-ce qu'il est, Kirk? Ah bah voilà un mec qui part pas en laissant la porte ouverte au moins. Ok, il y aura peut-être un truc à faire là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, on n'a rien à faire là parce qu'on n'a rien à y mettre. Ah, il y a Kirk là, je l'ai vu. Il était assis. Je t'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, mon Kirk, dis-moi tout. Tout va bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas franchir le pont rapidement pour se mettre en sécurité? Notre pont sacré est effondré. Bah non, c'est juste un pont mécanique. Il m'a l'air très bien ce nouveau pont. Qu'est-ce qui ne... Le pont sacré est juste là. Cette chose, c'est une douane. Avec, j'imagine, un fonctionnaire et de la paperasserie. Ce n'est pas pour nous. Oui, mais encore... J'imagine que ce n'est pas compatible avec vos rites et vos croyances à un tantinet procédurière. En effet, Kate Walker. Même si la caravane a reçu la bénédiction des esprits à Olympia. Il nous manque l'assentiment du veilleur. Et à voir l'état du pont, je suis très inquiet quant à son sort. Qui est-ce? Le gardien des terres sacrées, un très grand sage. On dit qu'il n'a pas d'âge, qu'il a vu passer d'innombrables transhumances et qu'il a toujours vécu dans cette yourte là-bas en face.
C'est lui qui atteste que la bonne fortune accordée par les esprits lors de la cérémonie de la nuit dernière accompagne effectivement la caravane. Nul Yukol ne pourra franchir la rivière sacrée sans son assentiment. Est-ce que ça vaut aussi pour une non-Yukol ? En principe, non. À quoi penses-tu ? À traverser moi-même l'autre pont pour voir ce qu'il en est de ce veilleur. Ça me paraît un plan tout à fait pertinent. Qu'est-ce que tu sais à propos de cet autre pont ? Les anciens disent qu'il n'était pas là lors du passage de la dernière transhumance. Il est bien à l'image des paysages que nous avons traversés. Tout a changé, et nos traditions ont bien du mal à s'accommoder de ces nouvelles choses. Tu penses qu'on vous laissera passer sur ces nouvelles installations ? Nous avons de l'argent grâce au commerce que nous avons fait tout au long de notre route. Peut-être qu'il suffira d'en donner aux personnes qui s'occupent de ce pont. C'est clair que les mecs qui construisent un pont hyper technique avec douane et tout, c'est pas pour laisser les gens passer sur le petit pont en bois à côté, quoi. Hein. En quoi consiste la bénédiction du veilleur ? On va pas se mentir. Il nous autorise à passer s'il juge que nous en sommes dignes, si nous avons bien respecté les coutumes et les traditions. Toutes ces sortes de choses. Tu es vraiment sûr que ceux qui nous poursuivent ne pourront plus rien contre nous une fois la rivière franchie ? Certains. Aussi fous soient nos poursuivants, ils ne prendraient pas le risque de commettre un acte de guerre en violant une frontière souveraine. J'en serais pas si sûr, mais bon... Qu'y a-t-il, Kate Walker ? Tu parais troublé. C'est juste que... je pense au chemin du retour, Kirk. Après, comment allez-vous ramener le troupeau chez vous avec Olga et ses miliciens qui vous attendront de pied ferme ? Chaque chose en son temps. Il faudrait déjà que nous parvenions à obtenir la bénédiction du Veilleur. Je vois. Je vais aller voir comment traverser. À plus tard. Merci pour tout, Kate Walker. Bien. Elles sont humides à force de rester dehors. Donc là, on a peut-être un puzzle pour ouvrir ce sac. Oui ! C'est de pire en pire ces énigmes ou c'est moi ? Ok. Alors, voyons voir. Ok. D'accord, je peux fermer là ? En haut. Bien. Et en dessous, c'est quoi ? J'imagine qu'il va falloir qu'on mette un combustible quelconque. Là, il y a des bûches humides. Ok, c'est ça qui était humide. Oh la vache. Un camembert de résine bleue. Un camembert de résine rouge. Entonnoir 4. Entonnoir 3. Entonnoir 1. Et une bûche. Parfait. Il y avait quoi là ? Il y avait un autre truc. Attends. Rouvre-toi. Rouvre-toi. Bon, j'imagine qu'il va falloir faire... des fumées de la bonne sorte pour passer, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour ça. Une sorte de résine colorée. Je me disais que c'était peut-être le mécanisme pour activer une le pont, sorte mais de résine colorée. Vu les dessins dessus, c'est plus probablement le truc des Yukol, ça. Il doit certainement falloir faire de la fumée d'une couleur qui va bien.
Elles sont humides à force de rester dehors. Du coup, il faut qu'on d'abord qu'on passe ce pont. Parce qu'il est revenu, le mec, il y a de la fumée là. Il est peut-être revenu. Ah, il y a quelqu'un qui s'est ouvert. Salut, il y a des gens à la porte. Ça t'a choqué ou pas? Ah, il avait été fait, il avait été pêché, tranquille, pas de soucis. Bonjour. Oh, bonjour mademoiselle. Oui, c'est à quel sujet? Un peu à l'ouest le gars. J'accompagne la transhumance de la tribu Yukol. Ils ont pour habitude de franchir cette rivière ici même, tous les 25 ans environ. Mais leur pont s'est écroulé. Et ils n'ont pas l'autorisation d'emprunter vos nouvelles installations sans l'assentiment d'un des leurs. Une sorte de douanier spirituel qui demeure sur l'autre rive. Il faut absolument que je traverse pour aller m'entretenir avec lui. Vous pouvez me faire traverser, s'il vous plaît? Ben ça... J'avais bien entendu parler de ces fameux nomades, mais de là à les voir en vrai... Je suis de service ici depuis quelques mois seulement, il vous suffit de me présenter les documents d'usage, j'imagine, et voilà. Ah, et toi aussi ça t'a choqué, Zikino, le décor qui a disparu dans le fond autour de la canne à pêche, là? De quels documents avez-vous besoin? L'habituel, rien d'extraordinaire, il me semble. Que je me souvienne bien, passeport, titre de séjour ou visa, autorisation de sortie du territoire, certificat de vaccination et... Questionnaire d'usage rempli en deux exemplaires par tête, un dans la langue du pays de départ et l'autre dans celle du pays de destination. La petite routine, quoi. Ah la vache. Écoutez, les Yukol vont rester ici le temps que je revienne. Ce sera pour vous le gage de mon retour de ce côté-ci dans les meilleurs délais. Et ça nous évitera tous les deux de perdre du temps en procédure fastidieuse. Et puis une fois que vous serez revenu. À défaut de paperasserie, je suis certaine que les Yukol accepteront de vous céder une bonne part de leurs économies pour arrondir les angles et vous dédommager des soucis qu'ils vous occasionnent. De quoi parlez-vous, mademoiselle? D'argent. Beaucoup d'argent. Pour que vous fermiez les yeux le temps de les laisser passer de l'autre côté. Ah, faudra voir ce qu'en dit ma hiérarchie quand je les appellerai. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Règle numéro 1. Visiblement, il y a eu un bug avec le décor. Et règle numéro 2. En cas de doute, se référer à la règle numéro 1. Le but, c'est précisément que vous n'en parliez pas à votre hiérarchie. Cet argent, vous le garderez juste pour vous. Vous comprenez? Oh la vache, le mec. D'accord. Je sais pas trop si je peux faire ça. Bien sûr, il faudra n'en parler à personne. Mais réfléchissez bien. Avec une telle somme, vous pourrez vous consacrer à plein temps à vos loisirs. Ah ouais. Ouais, je... Bon, d'accord, c'est entendu. Par contre, il faudrait aller embrayer la roue à aube dans la rivière. Pour actionner le pont et que je puisse l'utiliser pour vous faire passer. Avec tout ce petit monde que vous m'amenez, vous comprenez, je préfère pas trop quitter mon poste. Je préfère que vous le fassiez. Je vous attends ici. Le problème, c'est que... comme personne n'est jamais venu à la frontière... Vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut faire. Ouais. Ne bougez pas, j'arrive. Oh la vache. Ah, le décor est réapparu. Bon, je sais pas ce qu'il regardait, c'était un panonceau probablement, j'espère que c'était pas un système d'écoute ou sa hiérarchie pourrait surveiller qui fait pas le con. Bon. Alors, j'ai eu l'impression qu'on pouvait éventuellement se faufiler derrière. Non, apparemment pas. Où est-ce qu'elle est cette roue à aube? Pas par là visiblement. Non. Oh la vache quoi, le fonctionnaire de base mais genre caricatural jusqu'au bout. Le mec il a été envoyé s'enterrer ici jusqu'à la fin de sa vie et ça le dérange pas.
Ah, là, il y a peut-être moins de descendre. C'est une affiche. Ouais, bah c'est ce que je me disais, ça me paraissait bizarre le système d'écoute, vu le contexte. D'accord. Ok, là, il y a quoi? Ouf. Diantre. Un gros bouton. Ah ouais. On peut utiliser ça pour traverser ? Ah, rien, ok. Il faut qu'on fasse venir quelque chose, pourquoi pas. Bon. Allons nous occuper de la roue du coup. Alors là on peut remonter, mais pas au même endroit. Ah sinon, c'est là qu'on était, ok, bon, tant pour moi. Franchement, s'il y a juste la manette à tirer... Bah non, je pense que Zikino, le mec, il est... Il m'avait pas l'air d'être, comment dire, hyper fut-fut. Hein, pour dire le moins. C'est moi ou est cool là? Ah non, ouais, oui, il est en train de descendre dans la rivière, ok. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait s'écrouler, quoi. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, est-ce qu'il va nous laisser traverser ou est-ce qu'il va falloir qu'on prenne le petit wagonnet? Grande question. Il y a une porte ici aussi. Ah mais l'autre c'est pas ouvert. Sérieusement? Bah, je peux pas vous faire entrer. Venez plutôt au guichet. Oh putain, le relou. Faites le tour si vous voulez me parler, ce sera plus commode. Oh le mec! Pourquoi ça s'est pas ouvert ce côté-là? Fut. Bon, bah. Je pense que vu qu'on a eu une sauvegarde, on va arrêter l'épisode de VOD là. Et je vais faire une petite pause, le temps de me faire couler un petit café. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour la suite.